Un peu dans le sens que je ne vais pas aller chercher si son père buvait ou si sa mère l'a quitté au printemps, le père, pour partir avec le voisin, parce que on peut pas s'encombrer. Il faut tout ce qui vous aide à croire à ce que vous êtes en train de faire est intéressant. C'est pour ça qu'on va chercher des choses, parce que aussi en cherchant des choses, en se disant, je vais dire une bêtise, c'est un garçon unique, par exemple. C'est quelqu'un de la province au lieu d'être d'une grande ville, c'est quelqu'un d'une ferme, ou c'est quelqu'un qui dont le père était marin. Si ça vous aide à raconter l'histoire, à croire à ce que vous racontez, si ça vous aide à ça, il faut aller le faire. Si ça n'aide en aucun cas, il ne faut pas le faire. Parce que ce qui est intéressant dans interpréter, bon, je suis rien ni personne, hein, mais ce qui est intéressant dans interpréter, c'est de le faire vite. De le faire très vite, de prendre les données, de rassembler les données et faire le personnage. Alors, si on peut le faire longtemps, si on va au théâtre, on peut rester 4 ans, comme dans La Cage aux Folles. Mais au début, la construction du personnage, j'aime bien la faire vite. Je sais que Gérard Philippe avait mis 5 ans à préparer le Cid, c'est son rythme. Mais le faire vite, pour moi, c'est quelque chose d'hyper intéressant, c'est un challenge. J'ai peur de m'installer, que ça ne devienne pas vrai. Que ça devienne facile. Quand on le fait vite, on peut se casser la gueule, j'allais dire.